Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kero, comment allez-vous? Eh bien moi, aujourd'hui je suis mitigé entre à la fois très heureux de vous retrouver pour le let's play de Life is Strange, mais à la fois je suis un petit peu, on va dire, un petit peu triste parce que bon, là je crois qu'on arrive vraiment vers la fin du jeu, voilà, vers la fin de ce dernier épisode, l'épisode 5 Polarize. Et ouais, donc ça va me faire tout drôle dès qu'on aura terminé ce let's play, ce jeu. Voilà, je m'étais attaché au personnage, au personnage de Max, au personnage de Chloé. Enfin un petit peu à tous les personnages et tout, ils étaient vraiment vraiment attachants. Et là je crois que ben aujourd'hui c'est l'épisode final, voilà, on va terminer le jeu aujourd'hui les amis. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite aventure sur le jeu Life is Strange, voilà, avec moi, d'avoir partagé tout ça. Et donc on s'était laissé la dernière fois dans cette réalité, je sais pas si c'était si un rêve, un cauchemar que Max a fait, mais on dirait une sorte de réalité un petit peu what the fuck, voilà. Il se passait que des trucs bizarres avec comment le prof là, Jefferson, qui a dit ouais je suis amoureux de toi et tout, puis Max qu'on pouvait que répondre ouais je suis amoureuse de vous, je vous kiffe et tout. Donc on n'avait pas trop d'autres choix de réponses possibles et tout. C'était un petit peu du what the fuck et tout dans cette autre réalité. Et aussi les oiseaux qui s'éclataient contre les vitres et personne ne réagissait et tout. Enfin bref, c'était très chelou. Et avant ça, on avait réussi à sauver Chloé grâce à la photo que Warren nous a passée dans le restaurant, là, je sais plus comment ça s'appelle, le drive-in, un truc comme ça, je sais plus. Bref, en tout cas, on avait réussi à sauver Chloé, donc ça, c'est la moindre des choses. Et donc ouais, donc on s'était quitté avec comment le professeur Jefferson qui était en train de nous chercher, et puis il va falloir un petit peu se la jouer un petit peu à Filtration, mais à Metal Gear Solid et tout. Et ça, vous savez que je kiffe Metal Gear Solid, c'est voilà, la filtration et tout, c'est tout ce que je kiffe. Et donc sans plus tarder les amis, on va lancer la partie, donc je vous retrouve en jeu. Et voilà les amis, je vous retrouve donc sur le jeu, et donc avec Jefferson qui essaye de nous trouver. Il va falloir un petit peu se cacher derrière les murs et tout. Alors il va falloir analyser ses déplacements. Là, par exemple, il arrive vers nous. Il va aller derrière. Est-ce qu'on peut se mettre accroupi déjà sur ce jeu? Bon. On va essayer de le suivre un petit peu, voir ce qu'il fait. D'accord, donc on doit aller se rendre au phare. Oh putain, on a eu chaud. Vas-y, cours, cours, cours. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre ici, non? Oh, mais c'est... Hey Max. Oh! Petite rembobine. Mais c'est lui! Comment il a fait pour être déjà là, lui? Mais what the fuck? On dirait qu'ils sont plusieurs. I realize now you'll never be an artist. Much less a Comment photographer. On fait là? Come here, Max. Oh putain! Class is dismissed. C'est bon, je crois qu'il s'est retourné. I miss those days when you came to me in class with those wide Vas-y, 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 vas-y. Go, go, eyes. I go, go, want to go, be go, your go. professor again. I can Ok, teach on va attendre qu'il you so passe. Et much. ensuite, on y va, vas-y. Avance. Wow. Max! C'est trop chelou ce qui se Remember passe. what John Vas-y, vas-y, Lennon vas-y. said. Happiness is Alors, a warm gun. est-ce qu'il y en a un autre? I Oh hope putain, il you're y en a un happy autre. I'm dead. Mais what? C'est du n'importe quoi ce qui se passe, les amis, hein. C'est vraiment du n'importe Look quoi, into the attention. lens, Max. Oh putain. Turn right. Now left. J'essaie de lire un petit peu ce qu'il raconte, lui. Est-ce que vous pensez que la lumière, là, ça... Je pense que... Oh oui, regardez, c'est lui. Vas-y, cache-toi derrière, là. Ça part vraiment en n'importe quoi, là. Il y a des photos de nous et tout. Alors attendez, il faut attendre le bon moment pour y aller. Oui, réveille-toi vite. Parce que là, ça devient flippant. Hein. Vas-y, 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 vite. Mais cours! Dépêche-toi! C'est bon. Vas-y, go, go. Vite, 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 vite. Allez. Ouf, c'est bon. Il est encore là. Max, where are you? Oh non, Max, come out c'est Warren. to play. Come Mais lui out aussi, to play, eh? on doit l'éviter ou pas, lui?
Dans le doute, on va l'éviter, mais Warren, normalement. Who wants to go ape? What the fuck? Go ape, go ape, ape, ape. N'importe quoi. Vas-y, 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 vas-y. C'est qui ça? Oh, maintenant c'est le proviseur. Vas-y, vas-y. Oh putain. Ils sont partout. On peut pas passer. On est un petit peu dans la merde là. Non, c'est David Madsen. Vas-y, 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 vas-y. Oh. Oh putain. Comment on fait là? Comment je fais? Oh putain, il vient par là. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh putain, il est là lui. Ta mère. Vas-y. Oh mais... Sérieux. Il est juste à côté. On est un petit peu dans le caca là. Non, ça va. Il va falloir y aller maintenant. Vas-y. Cours. Putain, mais il y en a d'autres encore. Sérieux. Oh. Putain, mais vous êtes combien? Stop. Vas-y, vas-y, rebobine, rebobine, rebobine. Voilà, maintenant. Allez, coco, 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 coco. Mais cours. Hey, Max. Mais non, ta gueule. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Allez, avance, 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 avance. C'est quoi ça? Bouteille, prendre. D'accord. Je sais pas si ça a une grande importance qu'on les prenne, les bouteilles. Vas-y. Encore une bouteille. J'avoue. Vous pensez qu'on doit aller prendre les bouteilles? Je sais pas. Regardez. Looks like there are still bottles to find. Joy. Ah. D'accord. Bon, s'asseoir. Ok, maintenant de la neige qui tombe. Les mouchards se font moucher. What? Je sais pas si vous entendez le chat miauler. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Right, like you're the real cook here. I am. When your mom is away, I'll let her know that. Ah mais là, faut vraiment que tu te réveilles parce que là, ça ne va pas du tout. Regardez. Ok, on est en train de revivre quand son père est a eu son accident de voiture et tout. C'est génial. Oh mais regardez. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. On peut rien faire là. Yonder queen at the Save Mart. J'ai pas l'impression. She'll have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Oh. Oh mais c'est nous. Where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! Aha! You can't hide from me forever! Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine to... On a reçu un message. Hey Max, tu peux saluer Chloé et Joyce de ma part. Oh, et dis-leur bien que tu m'as laissé mourir. Oh, putain. Oh, c'est... Oh, c'est glauque. Oh là là. On a un message de... Attendez. Bonsoir, jeune Max, les écureuils me parlent, mais comment peut-on communiquer, toi et moi? Samuel n'a pas de téléphone. Putain, mais c'est vraiment... Chelou Rachel, maintenant, salut Max, c'est Rachel Amber, je voulais juste me présenter, on se verra bientôt, très bientôt. Pompidou. Fais pas chier. Franck, salope, ni moins d'un biscuit. Nathan.
Max, j'ai adoré ta séance photo avec Jefferson. Il a vraiment capturé ton essence. Tu veux qu'on aille se défoncer la gueule? La gueule, fais-moi signe. Joyce. Max, on a une vidéo de toi en train de donner une surdose à Chloé. Tu ne peux pas nous échapper. Pas peine de te cacher dans une autre réalité. Tu n'as pas intérêt à me sous-estimer. Tu m'entends? Oh là là. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, c'est tout. Et du coup, on est où maintenant? How long will this Oh putain, go on? Non. J'en ai marre. Réveillez-moi. Oh. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up. Ok, donc là tout. I'm so over her hipster bullshit. Ce que les personnages pensent de nous, c'est ça a été inversé quoi. Let's prove it. Parce que bon, Chloé, je pense que jamais elle dirait ça de nous. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. On s'embrasser, c'est sûr. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hello, lame. Max should see me make a move on you. Ah, c'était sûr. C'était sûr. N'importe quoi. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. Oh mon dieu. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. N'importe quoi. Why did you get reading powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Ça fait mal. Oula. Serrure électronique utilisée. Ah. Les touches là. Il y en a 4. Bah, je dirais c'est 2, 3, 5, 6. Faut trouver le bon truc encore. Ah, attendez, est-ce qu'on n'a pas des indices? Great. Numbers are all over the place. C'était pas ça avant. Find the right code. Je suis pas fou. Mais what? Ah, regardez quand on regarde dans le miroir. Oh, il y a un nombre là. Parce que regardez, dès qu'on regarde dans le miroir, il y a plus tous les chiffres. Et là, dès qu'on regarde dans le miroir, alors attendez, c'est quoi? C'est 0 3 1 1, je dirais, à l'envers, ou bien c'est 1 1 3 0. On va essayer les deux. 0 3 1 1 déjà. Utiliser. J'aurais pas dit ça au début. Moi, j'aurais cru que, regardez, il y a des touches qui sont plus illuminées que les autres. J'aurais dit peut-être c'est 2, 3, 5, 6, mais... Alors, c'était quoi, 0, 3, 1, 1, c'est ça? Merde. 0, 3, 1, 1. Validé. C'est bon? C'est bon ou pas? Oh putain, on a trouvé du premier coup. Don't kill us, Max. What? I guess I'll never dance again, Max. Bonjour. Right when I was about to start oh là, mais c'est vraiment chelou ce qui se passe là. Tout le monde qui est figé, qui est là. What? Regardez, il y a même des gens dehors et tout. Ah, il y a lui qui est en train de bouffer. Il y a Warren. Il y a les David et la mère à Chloé là. Joyce. So this is how Max gets her revenge. On peut pas passer ici. Gave me the chance to catch me. Il y a le proviseur. Il y a Victoria. Qu'est-ce qu'on est censé faire là? Il y a Kate. On est censé faire quelque chose ou pas?
I wish we had been friends, Max. Don't let the squirrels die. I know I have. Killing me is. Ce plan peut pas passer, on est d'accord. Non. I was happy just being your friend. I guess I'll never. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vos gueules. Oh mais on est là. Parler. Oh il y a que nous. Enfin. Ouais, il y a que nous qui bougeons quoi, mais what? Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Pas eu le choix, j'ai essayé d'aider. Bon, en même temps, on a... Enfin... Enfin, si, on pouvait avoir le choix, soit de... Dès le départ, soit de... des Chloé, enfin, on va dire qu'on n'a pas eu le choix quoi, d'un côté. It wasn't my choice. I didn't ask to rewind time. Stop playing innocent. You've left a trail of death behind you. You even let that stalker Madsen kill Jefferson. That's sick. You're way more of a cold-blooded killer than him. Ouais, mais bon, vu qu'on a remonté le temps, du coup, Madsen n'a pas tué Jefferson parce qu'on a réussi à sauver Chloé. Légitime défense, je suis une survivante. Légitime défense, ouais. On va dire je suis une survivante. No, I'm a survivor. I don't have any experience in time travel or stopping psychopaths like Jefferson. I did what I had to. Bah. Oh, the jury will love to hear about your mad time travel skills. I know what I am. You're just trying to hurt me. You're a goddamn hypocrite. Just look at the pain you've caused. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloé. C'est vrai qu'on a cessé de remonter le temps à cause de Chloé en à côté. Hein. C'est à chaque fois pour elle qu'on a remonté le temps et tout. C'est ma meilleure amie. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years. C'est pas faux, while ça. She went through hell. Tu marques some un point. Friend. Chloé does a better job of guilt tripping me than you do because you let her bully you. It's called Stockholm syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloé killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloé will destroy. Oula. Oh hell, speak of the devil. C'est qui, c'est Chloé? Ouais. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Oh là là, t'es en train de délirer complètement, meuf. En même temps, tout ce qu'elle a raconté, c'est pas faux, hein. Tout ce qui nous arrive, c'est... Enfin, je sais pas si c'est vraiment de la faute de Chloé et tout, mais bon, à chaque fois qu'on a remonté dans le temps et tout, c'était... Parce qu'elle était... Elle était en train de... Elle allait mourir et tout, l'autre, il allait la flinguer, et puis ensuite, à chaque fois, c'était à cause d'elle, hein. Mais bon, comme elle a dit, c'est sa meilleure amie. Après, est-ce que nous, dans la vraie vie, on ferait ça pour notre meilleur pote si on avait ce pouvoir-là? C'est ça qu'il faut se poser comme question aussi, parce que ce jeu, il nous fait réfléchir quoi sur la vie et tout. Donc c'est un petit peu ce jeu, c'est un petit peu une leçon de vie, j'ai envie de dire. On va avancer. Oh. Ah oui, c'est quand il nous a passé l'appareil photo.
Yes, of course it's cool. On est en train de revivre un petit peu tous les moments avec Chloé. Rock out, girl. Yo, turn it off. Turn it off. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. D'accord. If this is destiny, I hope we can find Ray. Let's talk about your superpower. Ah mais quand on lui a parlé de nos pouvoirs et tout, quand elle a voulu qu'on teste nos pouvoirs, on est en train de revivre un petit peu toute notre histoire. Voilà qu'on était dans la décharge. Alors que dire que pendant tout ce temps, Rachel était enterrée ici et tout, dans la décharge. C'est un truc de ouf. Ah oui, quand le train, il a failli la buter aussi. Since you're the mysterious superhero, I'll be your companion. My powers might not last. I'm so glad you're my partner in crime. Ah oui, on est rentré par effraction dans le bureau du proviseur pour chercher des preuves pour inculper Nathan et tout. Alors que, enfin, d'un côté, si il était impliqué, mais bon, c'est Jefferson qui l'utilisait comme son pantin et tout. Après, là, ils ont trouvé les preuves et tout. Ok. Allez, dans la piscine. Là, c'était encore la piscine quand ils se sont échappés. Allez, dans la chambre. Ouais, quoi, ils se sont brassés. You're hardcore, Max. Now I can text. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Ça c'était dans le camping-car là à l'autre, ça je crois, il me semble. Ah, quand elle a remonté le temps quand ils étaient gamines pour sauver son père, ça servit à rien. Ah là, c'est dans l'autre réalité quand elle était quand c'est elle qui a eu l'accident de voiture, Chloé, à la place de son père. Là, c'était toujours pareil dans l'autre réalité. Désolé, je passe vite fait parce que bon, tout ça on connaît, on a déjà vu. Hein. Là, c'est quand il rassemblait les preuves, ça m'a saoulé. Vous vous rappelez, j'étais énervé. Ça c'était. Ah oui, c'était dans la dark room, ça. Ah ouais, quand ils ont retrouvé Rachel. Ça m'avait tout chamboulé, moi aussi. Oh putain, on se rapproche du phare. Est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'on est bon? Je pense qu'elle a retrouvé ses esprits. Max, can you hear me? Say something, Chloe. I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. Putain, j'ai des frissons. So real. Was so horrible. Oh là, ce bordel. Mais bon, d'un côté, je préfère être ici que dans ce monde bizarre, hein. Eh ouais. Force de remonter dans le temps encore, hein. Ça a foutu la merde. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max, this is the only way. I feel like I took the shot a thousand years ago. Je
Je pense avoir compris. You... Putain, ça y est. Ça commence à me donner des frissons là. Right, si c'est ce que je pense. All that would take is for me to... To... Fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. À deux doigts de chialer, là je tremble de partout, c'est... C'est chaud. Donc pour ceux qui n'auraient pas... qui n'auraient pas compris... Désolé. On va devoir... On va devoir se servir de la photo pour remonter dans le temps où Chloé se fait tirer dessus par Nathan. On va devoir les laisser Nathan faire. Ou soit on sacrifie tout le monde à Arcadia Bay et on... Et Chloé est vivante, quoi. Et du coup, on remonte pas dans le temps. On laisse comme... on laisse faire la tempête, quoi, d'un côté. Donc soit on choisit l'amitié. Soit on choisit... de sacrifier tout le monde, quoi. Que ce soit la famille et tout. Mais peu importe l'un ou l'autre, je sens que ça va être... Ça va être dur. La logique serait de sacrifier Chloé, on est d'accord. Comme ça, tout le monde... tous les autres sont vivants, pourra remonter dans le temps, pourra prouver que Jefferson est coupable et tout. Mais elle perdra sa meilleure amie, Chloé. Sinon, ça sacrifie Arcadia Bay. Et dans ce cas, Chloé est vivante et... Et du coup, on laisse comme ça et tout. Bon après, il va falloir raisonner logiquement, j'ai envie de dire. Il faut qu'on se pose comme si on était dans la vraie vie, soit on avait un choix. C'est un mec qui avait, on va dire, un flingue et il nous dit soit je tue ta meilleure pote, ta meilleure amie, ou soit je flingue tout le reste de ta famille, quoi. C'est en gros, c'est ça, quoi. D'un côté. Soit je fous une bombe nucléaire et je détruis tout le monde, quoi. D'un côté, c'est ça. Et
Et ça va être dur, je sens, mais... Mais voilà, je pense que je vais faire le choix de sacrifier Chloé. Parce que bon, voilà, je vais... Entre la meilleure amie et toute la famille, même si moi j'adore ma meilleure amie, parce que voilà, ma meilleure amie, elle compte beaucoup pour moi dans la vraie vie, hein, je parle. Mais moi j'essaie de me mettre à sa place et c'est pas évident. Mais désolé Chloé, mais je vais faire le choix de sacrifier Chloé. Max, it's time. Chloe, I'm so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Please, do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
Putain de papillon de merde. Bon. Alors, j'aurais versé ma petite larme. C'est magnifique. Mon dieu, ce jeu. Ce jeu. Que dire de ce jeu? Ça aurait été encore une expérience de dingue. On s'attache tellement au personnage que c'est ouf. Et ça raconte un petit peu quand même l'histoire de notre vie. On a l'impression de se mettre à la place des personnages et ça fait mal. Et ouais, ça fait mal. Parce que je me suis mis à la place de Max et je me suis dit si je devais perdre ma meilleure amie et tout, c'est pas évident quoi. Bon, on va passer vite fait en revue les petits défauts de ce jeu, voilà les nombreux bugs qu'on a eu durant les lags et tout qu'on a eu sur ce jeu, voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire sur les petits défauts. Après pour tout le reste ce qu'il y a niveau histoire, niveau personnage, même les graphismes, j'adore la patte graphique qu'il y a sur ce jeu aussi, c'est ouf. Voilà les personnages, l'histoire qui est dingue, le côté enquête qui m'a fait rager un moment, mais voilà tout ça, c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Et je pense vous faire la saison 2 de Life is Strange sur ma chaîne dès que tous les épisodes seront disponibles. Bon, pas tout de suite, hein, je vais laisser encore couler quelques mois, même si tous les épisodes sont disponibles, voilà, je vais laisser quelques mois passer. Histoire de digérer un petit peu, et puis on attaquera sur ma chaîne la saison 2, voilà, je l'annonce. Et puis bien, je tiens à tout vous remercier, tous ceux qui ont vu ce let's play avec moi. Enfin, je sais que vous n'étiez pas beaucoup, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de vues sur ce let's play. Et voilà, je compte Ludo, voilà, qui m'a donné quelques petits conseils et tout. Il m'a dit que j'allais préparer les mouchoirs pour la fin du jeu. Et oui, c'est vrai. Bon, j'ai pas les mouchoirs à côté de moi, mais j'ai versé quelques larmes à la fin. Tellement que ce jeu est prenant, l'histoire est prenante, les personnages sont attachants, quoi, c'est ouf. Et il me tarde de faire la saison 2. Je sais pas du tout sur quoi ça va. Je me suis pas spoilé, hein, sur la saison 2. Je sais pas si ça va continuer l'histoire de Max sans Chloé. Est-ce que ça va déboucher sur une autre histoire? Ne me spoilez pas dans les commentaires, bien sûr. Mais voilà, il me tarde de faire la saison 2. Et puis ben, j'espère que vous aurez kiffé ce let's play avec moi. Moi, vous avez vu l'état que ça m'a mis. Ce jeu m'a... J'ai pas de mots, quoi. J'ai kiffé ce jeu, même kiffé, c'est même pas le mot qui convient sur ce jeu. Franchement, ça a été ouf, tout simplement. Et on va passer la cinématique, j'espère que vous... Enfin, le générique de fin, pour voir juste les statistiques. Vous avez décidé de sacrifier Arcadia Bay, 46%. Vous avez décidé de sacrifier... Ouais, c'est assez mitigé. Normal, c'était un choix assez difficile. Suivant. David a été blessé pendant l'altercation, 96%. Ok. David a tué Jefferson, 52%. Là aussi, c'est assez mitigé. Vous avez sauvé le camionneur, 57%. Vous avez sauvé Evan, 57%. Vous avez sauvé Alyssa, 61%. Vous avez sauvé le pêcheur, 71%. Ouais, on a essayé de sauver un petit peu tout le monde quand c'était l'apocalypse. Hein. Vous n'avez pas changé Joyce d'avis à propos de David, 68%. Vous avez dit la vérité à Franck à propos de Rachel, 58%. Ok.
Vous n'avez donné aucun signe d'affection à Warren 4%. On fait partie des 4% les connards. Ah, j'avoue, j'aurais pu lui donner un petit câlin avant de partir. J'étais un vrai connard là, à ce moment-là, j'avoue. Vous avez embrassé Warren 76, vous avez pris Warren dans vos bras 20%. On pouvait l'embrasser carrément. D'accord. Ok. Bon. Et voilà, ça se termine sur ces photos avec Chloé. Et ce papillon, voilà. Moi je dis tout est de la faute du papillon, voilà. Si pas eu le papillon n'aurait pas pris la photo, machin et tout ça serait pas passé. Et en fait, la conclusion qu'on pourrait donner, c'est que peu importe les choix qu'on a pris de décider de sauver Chloé à chaque fois, on peut dire que la tempête c'était la mort, et la mort ne faisait que la rattraper à chaque fois. Elle était décidée à mourir, j'ai envie de dire Chloé, même si à la fin on pouvait décider de la sauver, de laisser la tempête ravager Arcadia Bay. Mais voilà, ça aurait mis beaucoup de. Enfin, la mort aurait frappé, quoi. Ça aurait pas été sur Chloé, ça aurait été sur les autres. Mais voilà, la mort devait frapper, donc soit sur Chloé, soit sur Arcadia Bay, tout le reste de la population et tout. Donc voilà, c'est un petit peu le comment le but de ce jeu. C'est que ben voilà, si quoi les que quoi que les qu'on fasse comme choix, pardon, la mort devait frapper sur quelqu'un, voilà. Et moi j'ai décidé ben que ça frappe sur Chloé. C'était très dur comme choix, je dois vous l'avouer. Ça m'a mis dans un état pas possible, mais bon, il fallait faire un choix. Et moi, j'ai choisi le choix le plus, on va dire, le plus logique, quoi, de sacrifier ma meilleure amie, de sauver la population, quoi, la famille, toute la famille, voilà, toute la population, quoi. Je pense que c'était ce qu'il y avait de plus logique, selon moi, voilà. Et du coup, on va revenir au menu, voilà. Et puis ben les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pouces bleus, et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau let's play sur un nouveau jeu qui va sortir ben là, qui devrait sortir, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, voilà. Et le let's play commencera pas la semaine prochaine, je crois que ça sera dans 2 semaines, il faudra que je voie, mais voilà, sur un nouveau jeu qui va sortir la semaine prochaine. Je vous laisse deviner lequel. Voilà, c'est un énorme jeu, hein. Un énorme jeu, voilà. Et il y aura le let's play dessus. J'espère vous voir nombreux. Et pour la suite, voilà, pour la saison 2, bah, on se retrouve dans quelques semaines, dans quelques mois, je sais pas. Pour la saison 2 sur ce jeu, pardon, je suis tout ému. Et j'espère que vous serez là au rendez-vous pour voir la suite avec moi. Et puis ben ouais, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pouces bleus, comme j'ai dit, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et dans la description, je mettrai tous les liens de mes réseaux sociaux, donc de Facebook, Twitter et tout. N'hésitez pas à aller vous abonner, voilà, parce que je donne plein d'infos sur Facebook aussi. Donc Twitter, j'en donne pas du tout, parce que j'y vais rarement dessus. Mais surtout ma page Facebook, voilà. Et j'ai assez parlé, parce que sinon la vidéo va être encore très longue. Donc et ben écoutez, je vous dis à très vite les amis. Portez-vous bien. C'était Kero. Et on se dit à très vite sur ma chaîne. Allez, salut.